les enfants. Nous allons lire La souris et les vents. Vous êtes prêts? Et hop! Un jour, un souriceau sortit en bateau, mais il n'y avait pas de vent. Et le bateau n'avançait pas. Vent! S'écria le souriceau. Descends vite et pousse mon bateau de l'autre côté du lac! J'arrive! Dit le vent d'ouest. Et il souffla tant et si bien que le souriceau et le bateau s'envolèrent et atterrirent sur le toit d'une maison. Vent! S'écria le souriceau. Descends vite et dégage mon bateau de cette maison! J'arrive! Dit le vent d'est. Et souffla si fort que le souriceau avec son bateau et la maison s'envolèrent et atterrit sur la cime d'un arbre. Vent! S'écria le souriceau. Descends vite et dégage mon bateau de cette maison et de cet arbre. J'arrive, dit le vent du sud. Et il souffla fort, si fort, que le souriceau avec son bateau, la maison et l'arbre s'envolèrent et atterrirent au sommet d'une montagne. S'écria le souriceau. Descends vite et dégage mon bateau de cette maison et de cet arbre et de cette montagne. J'arrive, dit le vent du nord. Et il souffla très fort, si fort, que le souriceau avec son bateau, la maison, l'arbre et la montagne s'envolèrent et retombèrent dans le lac. La montagne s'y enfonça et devint une île. L'arbre se planta dans l'île et se couvrit de fleurs éclatantes. La maison atterrit tout près de l'arbre. Une dame ouvrit la fenêtre, regarda au dehors et dit « On est très bien ici, c'est charmant. » Mais la brise se mit à souffler et le souriceau s'éloigna à toute voile. Et c'est fini.